Salut tout le monde, bienvenue à ce match Clash of Types, semaine 7, game 2. Et on affronte un bon chum à moi, on affronte Chase. Un match contre Chase, ça nécessite un shooter pour commencer parce que c'est un gars qui vient souvent sur le chat. Là, je vais fermer mon showdown parce qu'il va voir mon équipe. Mais bref, on va prendre un shot pour mon copain Chase qui en a pris un pour nous aussi. Bienvenue dans ma vie privée, gang. On est de retour. Je vais me préparer mon shot pendant ce temps-là. Pendant que ça load. Je me prends un shot même si je suis visiblement trop chaud. J'ai manqué cliquer sur arrêter le stream tantôt pendant que j'enregistrais. Vendredi prochain, on va souper. Ok, ma blonde qui est en feu. Ah, un shot de Smirnoff Ice. Oh mon dieu, je me sens tellement animal à soir là. Pour de vrai, s'il y en a qui sont craqués et qui s'endorment pas, on vise le record de... J'avais streamé combien de temps la dernière fois? 9h02, mon record. Donc c'était vraiment malade. Bon, fait que je vais faire mon shot aussi. C'est le type bas contre le type water. Pour ceux-là qui se demandent, je l'avais pas nommé dans mon intro. Chase qui ramène une saison, ma foi, surprenante. Props to him. Il est en playoff avec le Bucktype. Il est premier, je pense. Puis il a été premier longtemps. Fait que, good job, mon chum. Un shot à ta santé. Je nous souhaite un match qui est axe-free. On est de retour à nos moutons, les copains. C'est quand on part la poudre. Et Chris, ça c'est un vieux vice que j'ai. Ça c'est terminé. Mon équipe était où déjà? Je l'ai mis, il me semble, dans la box 17. C'est celui-là qui a une Tango Berry. Ok. Je crains que les Stick Webs, évidemment, malheureusement, quand j'ai fait mon équipe, j'étais sûr que Pelipper avait des Fog en Gen 8, mais malheureusement, il a Ink en Gen 7. Fait que mon seul removal, c'est mon G-Max avec Rapid Spin, ça qui est problématique. Donc, exemple que j'ai pas mis de vitesse tout simplement à cause de ça, parce que je vais me faire baisser ma vitesse anyway. Qu'en gros, ouais, 9h de Pokémon, j'avais commencé le stream à 7h, puis je l'avais fermé à 4h du matin. Bon, t'as genre 5-6 encore là, il y avait encore du monde qui restait. C'est assez impressionnant. Scizor, Heracross, Shuckle, Orbital, Sandiscorch et Galvantula. On va juste aller comme ça d'un coup qui lead. Shuckle, il y a deux Stick Web Setter. Damn, c'est fou pareil. Ouais, ça a vraiment été le fun. On avait eu plusieurs vues aussi, là, comparativement d'habitude. C'était vraiment agréable comme soirée, là. Le lendemain, je m'aimais vraiment pas, j'étais vraiment scrap comparativement à d'habitude, là. Définitivement, top 3 vendredi pompette que j'étais le plus magané. Je comprends pas comment j'ai fait pour continuer de boire pendant 9 heures de temps. Supra qui est... Sandiscorch. Ok. Le problème de Chase actuellement est le suivant. C'est Dracovish. J'ai fait des calls rapidement, là, mettons, s'il était max speed, max special attack, tous ces Pokémon, là. Dracovish, Oko, tout le monde. Même, si, mettons, il est max... S'il est max speed, max attack, son sorti Scorch. S'il est max attack, max speed, il va mourir à 100%. Fait que c'est vraiment un problème pour lui en ce moment, là. Il y a peut-être une berry pour l'eau, je me rappelle plus c'est quoi. C'est la Pacho Berry. Peut-être qu'il y a une Pacho Berry pour l'aider pour vivre un hit. Mais je pense pas qu'il me tue en retour. C'est ça le problème pour lui, là. Puis j'ai décidé de l'aider Dracovish parce que, mettons qu'il aidait Shuckle ou ben Galvantula, je perdais... Mettons, il aidait Galvantula, il faisait des Stick Web, puis... Il est-tu pop chill? Il vient de faire pipi puis j'ai commencé un match.
Bref, mon point était, s'il aidait Galvanchula, OK, et qu'il faisait des stick-away, puis Jarmine Dracovic, mettons, plus tard, ben ça cancellait comme son choice scarf, il perdait beaucoup de valeur. Là, son 6 heures, à moins que j'avais manqué quelque chose, me tue pas en retour, je le tuera pas one shot, par exemple. Bullet punch. OK, fait qu'il va réduire. Il va réduire Fisher Surrend, mais comme vous pouvez voir, ça me fait pas excessivement de dommages. S'il est bold, ça va chercher la moitié. OK. Fait que je pense que je vais juste spammer Fisher Surrend. Il n'y a pas vraiment réponse à Dracovic, là. Parce qu'il suit tout le monde d'une shot, sauf Scizor, puis là, Scizor est mort. Il est mort. Fait qu'il faudrait quelque chose qui a une Pacho Berry, puis qui me haut quoi en retour. Fait que ça devrait être un match pauvre lui, tranquille. Il faudrait qu'il me soit avec Heracross là, dans le fond, là. Son Heracross va être plus rapide. Je pense que je vais juste le sac. C'est comme un suicide lead. Close combat, je vais sûrement mourir. Imagine, je vis. Non, je vais le garder parce que, comme je dis, il va sûrement amener des sticky web à m'amener dans le match. Là, il y a Moxie, mais... Il me semble que j'ai Azumarill. J'ai Azumarill avec Bellidrum. Fait que je pense que je vais juste aller avec Azumarill. Je vais vivre un close combat. Il est mort de speed. Fait qu'il est là. Il a un choice scarf, c'est sûr, à 100%. Là. Puis, mettons, la différence entre Clash of Type et le singles, la QPL singles, c'est que en singles, on permet tous les doubles items. En Clash of Type, non. Fait que là, mettons, je le sais qu'il y a un choice scarf. Fait que je sais que je peux Bellidrum de manière safe. De quoi Spartan, souvent? On va manger notre citrus berry. On a quand même été chanceux qu'il n'y ait pas de crit. Avec un crit, je serais mort, j'aurais pas pu me setter. Aquajet. Aquajet va aller chercher le kill, assurément. Ouais, dis, t'es bon d'être chaud souvent comme ça. Ah! Il y a des fois, je suis pas si chaud que ça pour de vrai. J'ai une bonne capacité à me gérer, là. De t'en être souvenu, ouais. Il disait que c'était bon de m'avoir souvenu de la Pacho Berry. Là, lui, il a sûrement une focus sash, c'est pas grave. J'ai un autre move prioritaire, je pense. Il dit, c'est toi qui es chaud, Alex, ouais. T'es bien belle, amour. Tu fais quoi? Ouais, mais pourquoi t'as pas resté chez les Sempinal? Ah, il travaille. Ok, fait que là, il va venir nous chercher. On parle avec la régie en même temps, désolé. Je suis multifonction. On se retransporte du côté du champ de bataille. Là, il y a Giga Drain, n'est-ce pas? Là. Faut pas que je miss mon Rock Tomb, c'est ça l'affaire. Je vais avec Swampy. En fait, non, je pense que c'était vraiment un mauvais jeu. Je pense que c'est un mauvais jeu parce que s'il est Specs et non Scarf, je suis quand même fourré. Je vais-tu d'un flip turn pour me repositionner après le hit que je vais vivre? Je pense que je vais y aller de même. On va se regarder Swampert pour plus tard. Giga Drain, je vais vivre le hit. Je pense que je suis max HP si ma mémoire est bonne. Suis-je max HP? Non, je suis pas max HP, je suis max attaque, Callis. Je suis mort. Ok, bon, je checkais d'autres choses en même temps. Hey, salut Bobby, comment ça va mon chum? As-tu passé une belle semaine? Ok, on a fait flip turn. Et lui, il restait Santi Scorch. Galvanchula est mort. Il reste Choco. Santi Scorch. Je pense que je vais y aller. Je vais aller avec moi à minuit. Je maxerai pas tout de suite. Je pense que je vais attendre à la fin. J'ai comme oublié mon game plan. Normalement, je m'écris des notes de gaucho. Je m'écris genre si tu commences avec ça, s'il y a ça. Mais là, j'ai comme pas eu le temps. Supra, ça, c'est son G-Max. Senti Scorch. Il va prendre beaucoup de damage. Les rocks, c'est à moi qu'il y ait des bottes. Il y a des bottes. Ok. Il va sûrement y aller d'un move bug, mais j'ai une berry bug.
Je reviens de super en gang au resto-bar, toujours plaisant. Ça donne du gaz pour la semaine. Ouais, vraiment. T'es dans une zone orange. Je pense que j'ai pas perdu une game à soir. Je pense que j'ai pas pris un défaite de shot. Je pense que c'est pour ça que je suis quand même relativement à jeun. Il y a un move dark. Le centre du Québec est encore en zone orange. Ok, je savais pas. Il y a un move dark, mais je pense pas qu'il a anticipé slow bro. Si c'est dit, Christo va amener slow bro, il est fort parce que slow bro, il est weak à son titre. Il me semble que Power Gem va chercher beaucoup de damage. À moins qu'il y ait une Shorty Berry. Ah non, il y avait des bots, je l'ai dit tantôt. Ah non, il y a une Life Orb. Ah, j'ai même pas mis du Rocks. Je suis donc bien mêlé, Callis. Ok. Slow King pour Gavanchula, c'est de la merde. Je pense que je vais juste le sacrifier. Max Overgrowth, il y a un move Grass. Ok. Avoir su, j'aurais dû garder Dracovish. J'aurais dû écouter Jérémy. J'étais, il y avait deux Sticky Web User. Il lui reste Santi Scorch, Shoko et j'oubliais l'autre. Là, il y a Max Overgrowth, c'est ça le problème. Je vais juste. Je vais scald en fait. Je vais mettre les Toxic Spikes pour Choco là, en fait, d'un coup, qui se met vraiment dur à tuer, là. Il y a Galvanchula, c'est ça. Galvanchula est quand même problématique, mais je vais maxer late, dans le late game. Max Overgrowth. Il est quand même dans le Grass. Il y a le Grass Terrain, pareil. Ok, ça va pas me chercher à moitié, ça, c'est parfait. Non, Galvanchula est vivant. Il l'a switché, me semble. Parce qu'il reste trop Pokémon en ce moment. Il est mort. Ben voyons. Ah, il est mort. Sti, il en reste rien que deux. J'étais. Senti quoi, je le cachais. Son sprite le cachait. J'étais sûr qu'il était vivant. Il dit t'es pas assez chaud. Ouais, en plus, j'ai joué contre Joe tantôt, puis. Il y a une équipe qui est quand même touchée à se préparer. Je vais juste scald. Je pense que j'étais en bonne posture anyway. J'aurais pas besoin de maxer. Thunder Fang. Il y a une bonne prep. Alexis, il se prépare vraiment bien pour de vrai. Mais je pense juste que malheureusement, mon type était juste trop fort pour lui. Là. Je suis flinch. Ok. Le type haut est quand même problématique pour lui. J'ai-tu vraiment besoin de Toxapex? Pas vraiment, le différentiel compte pas. Inquiète-toi pas, même moi, je trouve ça compliqué à préparer mon équipe. Ouais. Ok, je vais mourir. Il va avoir du damage, je vois qu'elle met. Il meurt de son Life Orb, mais il prend du Recovery du Grassy Terrain. Je vais juste maxer. Je pense que je vais arrêter de niaiser, là. Je vais juste maxer puis je ferai pas de Shell Smash, c'est pas grave. Je pense que c'est le premier match, j'en ferai pas de Shell Smash. Je suis physique? Non. Essaie de pas de flexer. Mais je pense qu'il est plus rapide que moi, j'ai pas de speed. Puis c'est pas mon genre de flexer kangourou, je respecte mes adversaires. J'ai 220 de speed, je vais être plus rapide là, puis. Je vais être plus rapide, mais bon, je vais faire canonnade, je vais être niaisé. J'aime ça respecter mes adversaires, même si effectivement c'était pas nécessaire de maxer là. Parce que je pense que je suis plus rapide, j'ai beaucoup d'invest en speed, donc logiquement je suis plus rapide. J'avais 247 de speed au niveau 50. Et dit GG. GG à toi mon chum, le match est même pas fini. Et Chris, c'était pas tant GG ça, il y avait un crit puis tu. C'était pas tant GG ça avec Power Whip, mettons que t'avais un crit, je crevais.
Je crevais, puis t'étais plus rapide que moi, en plus. Ouais, surtout dans cette position-là. Souvent, moi, je suis greedy quand je suis déjà dans une position perdante. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, là. Tu sais, des fois, quand t'es quasiment déjà perdu, c'est mieux de risquer puis essayer de faire un jeu qui va peut-être faire changer le match au complet, là, mais... Pourquoi j'ai un... Chocolat a des bottes, pourquoi il pogne pas de... Tantôt, son senti Scorch a pas eu de Stealth Rocks. Il joue-tu genre avec... C'est bien bizarre. Ben, il était pas si lent que ça. Il est adamant. Ouais, c'est vrai, j'ai pas mis de Rocks, mais j'ai mis Toxic Spikes. J'ai mis de Toxic Spikes, pis ça a genre fait rien à personne. Bref, on voit que j'ai pas suivi le match. Mais on s'en sort victorieux quand même. Donc, deux grosses victoires ce soir et dans cette semaine du Clash of Type également. Je pense que ça va nous propulser dans le top 3. Ça nous garantit également d'une place en séries éliminatoires. Donc, voilà. Excellent match à Chase. Écoute, il a fait de ce qu'il pouvait. Là. Il n'y avait pas beaucoup d'options pour me vaincre, à mon avis, à moins que j'aille manquer de quoi dans son team. Il y a une excellente saison en plus, donc vraiment, GG, tu m'as poussé vraiment à la limite en plus, c'était vraiment un bon match, là. Moi, dans ma tête, pour être franc avec toi, je pensais que Dracovic allait sweep, parce que Dracovic, il Oko, il tuait 90% de ton équipe, sauf Scizor. Donc, j'étais pas mal sûr que j'allais te sweep avec Dracovic juste en leadant comme ça. Puis, t'as vraiment bien... j'ai juste l'expression en anglais, mais think out of the box, t'as vraiment pensé en dehors de la boîte, là, en amenant pas Sticky Webs, parce que moi, je m'attendais vraiment à un lead Galvantula ou Shuckle avec des Webs. Donc, GG. Tous ceux qui ont aimé les combats, tous ceux qui aiment le concept du Clash of Type, qui aiment le channel, je vous invite à liker. Ça coûte rien, ça me fait extrêmement plaisir. Et en même temps, ça vous notifie de mes matchs quand ils sont postés. Donc, sur ce, guys, prenez soin de vous et à la prochaine.